Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de l'application Be My Eyes. Vous êtes donc une personne qui avait envie de rendre service à une personne en situation de handicap visuel. Ça va être possible avec cette application entièrement gratuite du nom de Be My Eyes. Be My Eyes est une application qui va vous permettre de donner une aide technique, une aide bureautique à une personne aveugle ou malvoyante. Pourquoi se servir de Be My Eyes en tant que personne malvoyante ou personne aveugle? Vous avez par exemple quelque chose qui se passe sur votre télé, sur votre micro-ondes, vous avez reçu un courrier et vous désirez qu'une personne voyante vous aide. Et franchement, un grand merci à toutes ces personnes de pouvoir donner un peu de temps aux personnes en situation d'handicap visuel. On va tout de suite ouvrir cette application et voir comment elle se comporte avec VoiceOver. Bien sûr, cette application est entièrement compatible iOS Android. On arrive donc sur notre application qui est vraiment très simple d'utilisation, équipée de deux boutons. Appelez un bar oblique bénévole. Appelez donc un ou une bénévole qui vous aidera tout au long de votre journée. Aide spécialisée. Bouton. Vous avez même donc un bouton aide spécialisée si par exemple c'est une aide informatique, une personne connaissant l'informatique vous répondra et ça c'est plutôt cool. Alors, lorsque vous téléchargez l'application à partir du Play Store ou de l'App Store, vous arrivez donc sur une fenêtre qui va vous demander si vous êtes une personne qui désirait aider ou si vous êtes une personne aveugle ou malvoyante. Rejoignez la communauté. Voyons le monde ensemble. 389 752 non-voyants. 389 752 non-voyants présents sur la plateforme, ce n'est vraiment pas rien, c'est vraiment énorme. 5 662 100 bénévoles. Et non, les amis, vous ne rêvez pas, plus de 5 millions de personnes aidant, inscrits pour aider les personnes en situation de handicap. Voilà donc les seuls deux boutons que vous avez sur la première page en présentation. J'ai besoin d'assistance visuelle. Appelez une entreprise ou un bénévole. Alors ici, on va se mettre bien sûr dans la position du malvoyant, puisque je suis moi-même malvoyant. On va donc activer ce bouton. C'est parti. C'est parti. Et comme toute application, les amis, il va donc falloir vous inscrire sur l'application Be My Eyes à partir de votre adresse mail. Vous pouvez donc choisir une adresse mail Google, Apple, etc. C'est parti, on va prendre Apple. En continuant, je confirme avoir au moins 17 ans et j'accepte et accepte les conditions d'utilisation et politique de confidentialité Be My Eyes. Bouton. Continuer avec une adresse e-mail. Bouton. Continuer avec Apple. Bouton. Continuer avec Google. Bouton. Continuer avec Facebook. Bouton. Voilà donc, une fois que vous êtes inscrit avec votre adresse mail, on arrive sur cette fenêtre où on va pouvoir faire appel à un bénévole. Ce qu'on va faire tout de suite, on le fera qu'une seule fois pour éviter de déranger les gens. C'est parti. Voilà donc, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez cette application au quotidien. Ça me fera vraiment plaisir de voir que des personnes utilisent ce service qui est tellement énorme pour les personnes en situation de handicap visuel. D'ailleurs, tout en bas de cette application, vous allez retrouver trois onglets, dont un onglet où vous allez pouvoir rentrer dans les propriétés de cette application et vous allez pouvoir dédier un raccourci Siri. Je vous montre ça tout de suite. Envoyez nouveau code raccourci série. Bouton. Raccourci suggéré. En tête. Appelez un bar oblique bénévole. Bouton. Voilà donc, comme vous venez d'entendre, à partir du raccourci Siri, on va donc pouvoir déclencher tout de suite un appel vers un bénévole. Ça, c'est vraiment ultra rapide et très efficace. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. En fait, sur les trois onglets d'en bas, vous avez le premier onglet qui est donc obtenir de l'aide pour arriver sur la page principale, l'onglet communauté et l'onglet des paramétrages. Voilà tout ce que vous avez en bas de cette application. On passe tout de suite un petit appel à un bénévole et on va tout de suite interroger si cette personne a un peu de temps pour nous et lui demander pourquoi elle s'est abonnée, pourquoi elle donne son temps aux personnes aveugles à partir de l'application Be My Eyes. C'est parti. Accorder l'accès. Pour passer des appels vidéo, veuillez autoriser l'accès à votre microphone et à votre caméra. Bien entendu, on touche au micro, on touche à la caméra. Be My Eyes souhaite accéder à l'appareil photo. Pour lancer des appels vidéo. Ne pas autoriser. Bouton. OK. Bouton. Be My Eyes souhaite accéder au micro. Pour enregistrer le son pendant un appel vidéo. Ne pas autoriser. Bouton. OK. Bouton. Allez, c'est parti pour un appel. On va voir si la personne a un peu de temps à nous consacrer. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle. Je suis une personne malvoyante. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une chaîne YouTube de plus de 71 000 abonnés. Oui.
Et je fais donc en fait des vidéos sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur cette chaîne pour montrer en fait ce qui est faisable aujourd'hui de faire avec tous les outils, tout l'high-tech existant. Et donc je fais une vidéo actuellement sur, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais sur Be My Eyes et je montre en fait à quoi sert cette application et pourquoi les gens se sont donc mis sur Be My Eyes par rapport à justement l'aide. Et je voulais, si vous avez deux petites minutes, pas plus de temps que je vous prendrai, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes mis sur Be My Eyes, s'il vous plaît, monsieur? Écoutez, c'est plus je me suis dit, dans un souci d'aider un petit peu bah, son prochain, entre guillemets, dans le sens où je pense que 2 minutes, comme vous dites, sur toute une journée, quand on peut aider quelqu'un, bah, c'est toujours. C'est pas beaucoup pour ce que ça peut apporter pour la personne à qui est peut-être en difficulté. Et je me dis que si moi, un jour, je me retrouvais dans ce cas-là, eh bien, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui puissent m'aider aussi, quoi, tout simplement. Bah vraiment, c'est vraiment génial parce que moi j'ai perdu la vue pour vous expliquer à l'âge de 27 ans, j'ai maintenant 49 ans et c'est vrai, toutes ces nouvelles technologies nous aident beaucoup au quotidien. Puis cette application est vraiment extraordinaire parce que des gens comme vous, parce que vous savez qu'aujourd'hui on dit ah, les gens maintenant ils sont vraiment entre eux, ça, ils aident plus, mais on Malheureusement, je pense qu'il y a une part de vérité aussi là-dedans, mais effectivement, oui, on voit quand même des actions qui restent. Enfin, il y a quand même du positif encore. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, vraiment un énorme. Là, c'était pas pour vous demander de l'aide, mais en tout cas, vraiment beaucoup, un énorme merci de d'avoir répondu. Et puis, excusez-moi de vous avoir dérangé, surtout. Aucun problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben en tout cas, c'est très gentil. Puis encore, merci beaucoup d'être bénévole pour nous en tant que déficients visuels. Et encore un grand merci pour tout ce bénévolat que vous offrez. C'est vraiment super. Vraiment, merci beaucoup encore. Pas de problème. Bah écoutez, bonne continuation à vous. Merci, merci beaucoup et bon courage à vous aussi. Passez une belle fin de journée. Merci, bonne journée. À Au revoir. bientôt, au revoir. Voilà les amis, comment ça se passe lorsqu'on passe un appel Be My Eyes, on tombe sur ce genre de bénévole qui est vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet appel. Utilisez-vous vous-même Be My Eyes. Moi, je kiffe, c'est vraiment énorme. Merci à tous ces gens. Merci à ce monsieur qui m'a répondu. Merci à toutes les nouvelles technologies qui nous aident au quotidien. C'est vraiment génial, je me suis vraiment régalé de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager les vidéos de l'accessibilité pour tous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision High Tech. Salut à tous!